Après 10 jours de consultation, nous venons de lui dire que la situation est alarmante. La population nous a parlé de tout, beaucoup qu'on connaissait. Nous avons eu l'occasion d'apprendre aussi d'autres réalités qu'on ne connaissait pas. Mais au moins, le résumé est que la situation est alarmante. Quand nous avons été dans nos consultations, nous avons constaté que les déclarations qui ont été données ou les revendications qui ont été données, la plupart de celles-ci ont déjà été faites même par nos élus, soit par nos excellences. Seulement, nous avons dit que la bataille doit prendre une autre allure. Nous devons apprendre à nous battre jusqu'à ce que l'on obtienne la réponse, non pas jusqu'à ce que nous obtenions des postes. C'est ce que nous avons pris comme conclusion parce que, de toutes les façons, la plupart de ce qui a été raconté au niveau de la population, c'est ce qui a toujours été dit. Mais pourquoi il n'y a pas la solution? C'est peut-être parce que le niveau de bataille n'est pas encore à la hauteur d'arriver à la réponse. Il n'y a plus besoin de les cacher. L'homme de Butembo ou les environs, la personne, le peuple de l'Est, ou on peut le dire dans l'ensemble, dans toute la République, c'est vraiment le chaos. Le chaos. Et nous avons dit que nous ne nous sentons pas à mesure, après tout ce que nous avons appris à travers les réponses qu'on a données à notre question « Que demande le peuple ?» Nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas être à l'aise de dire que nous allons prendre le camp du pouvoir en place pour continuer à parler peut-être au niveau du pouvoir en place. Nous avons estimé que l'important serait que nous puissions renforcer l'opposition parce qu'à ce stade où on voit que visiblement tous les leaders, les grands leaders, les pions de l'Est, ils sont déjà avalés du côté du pouvoir en place. Nous disons, mais qui pourra encore donner des critiques, qui pourra encore servir de miroir vis-à-vis du pouvoir en place? C'est pourquoi nous estimons que aujourd'hui, nous l'annonçons, nous allons prendre notre place dans l'opposition pour permettre à ce que le pouvoir en place ait aussi des gens capables de jouer le rôle du miroir, leur montrer les entorses qu'il faut corriger. Là où ça ne va pas, nous ne pourrons pas nous taire, nous allons continuer à nous battre. La lutte continue jusqu'à ce que le peuple de l'Est se retrouve encore dans la quiétude et la gaieté et le plaisir de vivre dans les pays et qui nous a tous été légués par les ancêtres. Maître Kikondo, ça veut dire vous accompagnez Fayulu? Accompagner Fayulu ou quelqu'un d'autre, l'important c'est de voir d'abord dans l'opposition quelqu'un qui a une vision ferme, imperturbable, qui peut réellement continuer et rester constant dans la lutte jusqu'à ce que l'on arrive à l'objectif. Parce que, de par ce que nous sommes en train de remarquer, on est en train de se dire qu'apparemment, la politique n'est plus dans ses vertus ni dans les valeurs, mais c'est devenu une occasion pour les gens de se créer des postes. Donc c'est ça que nous venons combattre. Et nous allons nous mettre du côté d'un homme opposant, un opposant politique constant, et qui reste là dans l'opposition jusqu'à ce que l'on arrive à obtenir, jusqu'à ce que les réclamations du peuple aient leur réponse. Autrement, vous annoncez votre candidature aux législatives prochaines? Bon, de toutes les façons, moi j'ai toujours dit que ma lutte ne dépend pas beaucoup plus de mon arrivée au Parlement ou ailleurs. Même en tant que citoyen, je continue toujours à faire ma lutte. Je peux continuer comme citoyen congolais, tout comme député. Je pense que le peuple pourra décider s'il faudra que peut-être cette lutte ait une autre terre, parce que peut-être que dans les institutions, on peut encore beaucoup plus bousculer qu'être juste à l'extérieur comme citoyen. Votre parti reste encore secret? Nous estimons que dans 2 ou 3 jours, vous allez nous voir signer un cahier dans les partis où nous serons pour servir le peuple, mais certainement, je l'ai déclaré, c'est un parti de l'opposition. Alors, maître,